Coucou, coucou, salut mes abonnés, salut mes amis, salut tous mes amis algériens. Je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne Live AQ Today. Aujourd'hui, je dédie cette vidéo à tous ceux qui m'ont demandé urgemment, de façon nostalgique. Je fais un grand coucou à Benka. Je te dédie cette vidéo à Monsieur Mabrouk, à ce monsieur qui m'appelle ma petite fille Lisa, à tous les seniors algériens qui sont abonnés à ma chaîne, qui veulent que je fasse la vidéo, des vidéos sur Myriam Makeba. Myriam Makeba, l'Algérienne, est née en mars, c'est-à-dire le 4 mars. Comme ce n'est pas encore son anniversaire, j'anticipe un peu son anniversaire et je joins ma vidéo à son anniversaire pour lui rendre hommage pour son parcours, pour ce qu'elle a porté pour le panafricanisme et pour ce qu'elle a dénoncé pour les droits de l'homme noir dans toute l'Afrique. Alors je fais cette vidéo et je lui dédie cette vidéo et je dédie à tous mes amis. Alors ce sera une série de 3 vidéos pour vous faire plaisir, vous mes abonnés, ceux qui l'ont demandé. Pour tous ceux qui passent sur cette chaîne, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et prenez le train avec nous. Prenez le train en marche avec nous. Vous êtes la très bienvenue. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ça? J'espère que vous avez adoré, adoré. Alors, c'était juste l'introduction. Nous allons commencer la vidéo. Alors, c'est que je vais ici énumérer 10 faits à propos de Myriam Makeba, l'Algérienne. Alors, il faut savoir que Myriam Makeba est née le 4 mars 1930. Et elle est décédée le 9 novembre 2008. Alors, Myriam Makeba est une légende, elle est une artiste légendaire, célèbre sud-africaine. On la surnommait la maman africaine. Elle meurt presque sur la scène d'une crise cardiaque après un concert d'anti-mafia dédié à un écrivain célèbre, un best-seller à Castel Volturno, près de Malpo, au sud de l'Italie. Zinzil Makeba, Washu Ungwavama,
Yekiteli, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. C'est la signification de son nom. Elle quitte alors son pays dès l'arrivée des nationalistes Afrikaner et son rôle de dénonciatrice après un film Come Back Africa. Lauréate avec Harry Lafont, la première artiste noire au monde à avoir ce trophée. Elle épouse alors Stokely Carmichael, l'un des chefs des Black Panthers américains. Pour leurs idées, elle et son époux devraient quitter les États-Unis et elle reçut la nationalité guinéenne avec son époux. Il faut savoir que Miriam Makeba a la citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté honoraire de presque 10 pays africains. C'est-à-dire 10 pays, plutôt 10 pays. Et dont celui de l'Algérie. En 1885, plutôt en 1985, sa fille meurt dans des conditions un peu tragiques. Ne voulant pas que ça soit médiatisé, elle enterrera sa fille toute seule. Elle recevra aussi le titre de commandeur des arts et des lettres en France et elle eut la nationalité française. Et après la sortie de Nelson Mandela, cette nationalité française-là lui permettra de rentrer dans son pays qui est l'Afrique du Sud. Myriam Makeba a contribué et elle continue, quand elle était vivante, elle continuait de s'engager à contribuer dans des différentes causes humanitaires et c'est ce qu'elle a fait au cours de sa vie. Et donc, voici un peu quelques faits sur Myriam Makeba et je vais continuer d'autres vidéos, deux autres sur elle pour essayer de rentrer dans ce qu'elle a fait dans sa vie et comment est-ce qu'elle a milité. Je me suis même mise, soi-disant Myriam Makeba, un habit un peu africain pour mes abonnés, pour ceux qui suivent cette vidéo. Je vous remercie et j'espère que vous avez adoré ce petit, c'est-à-dire cette petite entrée avec Myriam Makeba. Je vous mets une autre chanson en zoulou. Je vous remercie et j'espère que vous avez aimé. Surtout, abonnez-vous et à très bientôt. Peace. Bye.